Est-ce que vous savez de quoi le monde a besoin? D'amour, de gentillesse, de sourire, de compliments. C'est une année de merde pour tout le monde. Et tout le monde a besoin d'amour. J'ai besoin de donner de l'amour. Et de crier également. Alors qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Je vais envoyer de l'amour à des gens au hasard. C'est dans le titre, vous le savez déjà. Ok, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver des gens au hasard sur Instagram. Je vais me renseigner un petit peu sur eux, sur leur vie, sur ce qui pourrait les faire plaisir. Leur faire plaisir, je ne sais pas parler. Trouver le moyen en fait de donner le sourire aux gens à travers une petite vidéo que je vais à chaque fois filmer depuis mon téléphone, puis uploader en non répertorié sur YouTube. Et dans les vidéos, il y aura des compliments et de l'amour et de la joie. Abonnez-vous. Du coup, pour commencer, il faut trouver des gens. Et de préférence, trouver des gens, en fait, qui ont peut-être besoin de recevoir ça, en fait, pour que ça leur fasse du bien. Il y a des gens qui se sentent plus mal que d'autres. Du coup, je vais juste trouver un influenceur quelconque français, genre Squeezie. Mais en fait, tout le monde a l'air heureux ici. Mais vous savez quoi? Au pire, on va faire au hasard, parce que le but, c'était aussi de faire au hasard. Mais il y a que des filles! Bon, Noémie 4538, allez. Qu'est-ce qui fait plaisir à Noémie? Elle aime les feux d'artifice. Je crois que je suis obligé de follow pour pouvoir envoyer un message. Oui. Phare. La mer. Des fleurs. En fait, je me rends compte que si, en fait, je personnalise vraiment les messages, je vais passer pour un gros psychopathe. Surtout que la fille là pour le coup elle a 15 ans, j'ai pas envie d'aller que la police vienne me chercher. Barcelone. Ah non, c'est Londres. Non, c'est la faute au gros zizi là-bas, j'ai cru que c'était Barcelone. Vous savez quoi, je vais oublier l'idée de personnaliser parce que j'ai pas envie de me faire arrêter par la police. Mais du coup, je vais réaliser la vidéo de Noémie. Bonjour Noémie 4538. Je m'appelle Rodolphe et je suis ici aujourd'hui dans cette vidéo YouTube qui est en non répertorié, je te rassure, c'est-à-dire que tu ne peux la voir, il n'y a que toi qui peux la voir avec le lien. Je fais cette vidéo pour te dire de passer une bonne journée. Oui, oui, j'ai l'air d'un psychopathe, mais... Non, en fait, c'est juste... pour te dire de passer une bonne... Ne pose pas de questions, ne pose pas de questions et prends l'amour. Prends l'amour que ton prochain te donne. Je ne fais pas partie d'une secte, que tu le saches de suite, je ne fais pas partie d'une secte, mais j'ai envie que tu passes une bonne journée. Alors juste sache que le monde est beau, le monde est bien, tu es quelqu'un de bien, crois en tes rêves et la vie c'est cool et... Je tape sur mon bureau pour te prouver que je suis sincère. Passe une bonne journée Noémie. Voilà, bonne journée. Et je t'apprécie comme être humain. Ciao! Est-ce que c'était too much? J'ai l'impression que je vais me faire arrêter par la police d'entrée de jeu en fait. J'espère que ce concept vous plaira pas parce que ce sera la seule et unique vidéo puisque après je vais être en prison. Après c'est les vidéos que j'envoie, c'est sujet à amélioration parce que là bon je fais ça très vite fait. Enfin voilà. Putain, je peux mettre des petits effets. Vous allez voir, j'ai mis des bulles partout. Imaginez le bide si les gens à qui j'envoie des vidéos ils me répondent pas et qu'ils le voient même pas. Je vais mettre le pseudo en entier, comme ça elle sait bien que je m'adresse à elle. Faut que je fasse gaffe par contre à ne pas monétiser la vidéo, sinon j'ai passé pour un enculé absolu. Pendant que la vidéo se met en ligne, on va chercher d'autres gens. Faut que j'essaie sur des comptes qui sont privés de base, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut d'abord que je suive la personne et que la personne accepte. Donc Elliot Chier, je viens de requested. En cette période de coronavirus, je reçois beaucoup trop d'appels masqués. On tombe sur un rigolo! Oh là là! Donc, je trouve des gens genre qui font des dessins ou des trucs comme ça, histoire de pouvoir les complimenter sur ce qu'ils font. Y'a pas un compte qui a l'air genre de dessiner ou... Oh, la vidéo est en ligne! Putain. Oui, j'ai créé une playlist vidéo de l'amour. Je pense une minute, c'est bien. Une minute, ce sera parfait. On va peut-être changer la miniature. Maintenant, il me faut le lien. Copier. Maintenant, on va envoyer un message à Noémie. Ouais, sur téléphone, ça affiche la miniature et tout, c'est parfait. J'ai fait cette petite vidéo pour toi. J'espère que les gens vont pas croire que c'est une technique bizarre de drague ou quoi. C'est pour ça que c'est bien que ce soit filmé, en fait. Parce que, du coup, j'ai une preuve de ma bienfaisance et de mon non-psychopathisme. Ok, bon, c'est envoyé, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Évidemment, j'ai choisi le jour de mon anniversaire pour faire ça, donc il y a plein de gens qui m'envoient des messages, ça va être très bien pour retrouver les gens à qui j'envoie des trucs. Elliot ne m'a toujours pas accepté. Merci. Merci Elliot. En même temps je tourne ça, c'est 11h30 du matin. Kira Sandwich. Waiting for Jojo Part 6 to be animated. Oh putain, lui. Je tiens vraiment à trouver quelqu'un qui genre crée des choses. Je pense que souvent les artistes auraient tendance à s'abonner à des comptes d'autres artistes. Donc il faut que je trouve un artiste en fait. Et j'en connais pas. Marion Maréchal Le Pen. Non. Oh, je vais aller voir dans les abonnés de Sora. Parce que Sora, ses vidéos elles sont hyper colorées, hyper cute. Par contre c'est fou à quel point il y a plus de filles que de mecs. C'est un truc de malade hein. Louis Gacha 83. Oh. I'm useless but it's okay. Ok.
bloquée. Alors cette personne-là a vraiment besoin d'amour. Pour le coup, il partage des mèmes, il a l'air de créer des choses sur Gacha Life. Alors je sais pas du tout ce qu'est Gacha Life, mais j'en ai entendu parler. Ouais, ouais, il crée des choses, il crée des choses. C'est parti. Eh, hey, salut Louis Gacha 83, je fais cette vidéo pour toi. Oui, oui, pour toi, vraiment, vraiment, c'est vraiment pour toi. Regarde, c'est toi là, sur Instagram mondial, je fais cette vidéo pour toi. Pourquoi ? Pour te souhaiter déjà une bonne journée, j'espère que ta journée se passe très bien, j'espère que tu vas bien, et en tout cas, si ça va pas bien, justement, j'espère que cette vidéo fera en sorte que tu ailles mieux, hein ? Parce que c'est important de passer une bonne journée, c'est important de sourire. Je veux que tu souris en voyant cette vidéo, parce que je suis fou ! Non, je ne suis pas fou, n'appelle pas la police, s'il te plaît, déjà, et j'aimerais... Vraiment, je voulais te dire de passer une bonne journée. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu sur ton Instagram que tu faisais des trucs sur Gacha Life. Et j'aime bien. Vraiment, j'espère que tu vas continuer, que tu vas faire des choses encore mieux. Et que, vraiment, j'adore ce que tu fais. Non, vraiment, si tu aimes créer des choses comme ça, continue de créer des choses comme ça. Et sois toi-même, sois vraiment... Fais en sorte d'être le maximum toi-même. N'écoute pas ce que disent les autres. Je sais que... J'ai vu que tu étais membre de la communauté LGBT, que tu étais trans et bi. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et vraiment, n'écoute pas ce que te disent les autres. C'est les gens qui te jugent, les gens qui se moquent de toi. Si jamais ça arrive, jamais tu n'écoutes. Et tu fais ce que tu veux. Tu es toi-même. Il faut être soi-même. Parce que c'est bien. Et voilà. Vraiment, passe une bonne journée. C'était juste pour te dire d'être heureux. Et j'espère que c'est le cas. Voilà. Je t'aime en tant que personne et en tant qu'être humain. Au revoir. Et bonne journée. Putain, j'ai l'impression d'être un psychopathe et d'avoir l'air fou. Alors, en vrai, c'est pas facile de se renseigner sur les gens comme ça et de... Enfin, le but, c'est de donner du joie. Est-ce que je lui mets des bubules à lui aussi? Putain, il y a des trucs psychédéliques, en vrai. Oh non, le filtre glamour. Glamour, oh oui. Ok, la mise en ligne est en cours. Continue de chercher. Oula. Oh putain de merde. Alors, je vais pas vous montrer parce que... Alors, s'il te plaît, moi, du montage, coupe vraiment le bas de l'écran parce que... bon, vous voyez le nom de la page. Et... Putain, mais... J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. 12 ans. Non, mais... Non. J'aime pas ça. Bon. Je refuse de passer à quelqu'un d'autre. Déjà, je comprends même pas que... Enfin, genre, y a pas moyen de signaler ça à Insta ou même qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. En fait, faudrait... J'aime vraiment pas ça et je réfléchis à comment je peux aborder la chose dans une vidéo. Le truc c'est que je pourrais même pas avoir son prénom là pour le coup, je peux même pas savoir à qui je parle. Par pitié, si vous avez l'idée de faire ce genre de choses, parlez-en. Je sais même pas comment aborder le sujet avec qui que ce soit, je me sens impuissant, vraiment je me sens impuissant face à ce genre de choses parce que ça devait être une vidéo de la joie absolue. Bon, on termine avec celui où on était avant et ensuite on termine la vidéo là-dessus. En vrai, est-ce que moi, je peux, genre... Mais non, mais je peux pas... Report, ça sert à rien. Insta va juste, genre, bloquer le compte. Je vous avoue que ça me met assez mal à l'aise, mais... Il faut le faire, il faut pas, on va pas, je suis là pour ça, j'ai créé cette idée de vidéo pour ça, pour aider les gens qui en ont vraiment besoin, ok, alors putain on va le faire. Je réfléchis à ce que je pourrais lui dire, mais en fait j'ai peur de lui dire des trucs qu'on lui aurait dit beaucoup trop de fois, et je suis clairement pas psychologue, j'ai pas de formation pour quoi que ce soit là-dedans. Et vous savez quoi, peu importe, on va le... De toute façon j'ai pas confiance en les psychologues. Occupons-nous de Louis Gacha. Ok, bon, c'est bon, la vidéo est bien passée, voilà. Maintenant, on lui envoie le message. Coucou Louis, j'ai fait cette petite vidéo pour te souhaiter une bonne journée. Voilà, ça c'est fait. Vous pouvez pas savoir à quel point j'appréhende la prochaine, mais je me vois pas juste partir de ce compte ou juste le couper au montage et faire comme si ça avait pas existé. C'est terrible de commencer ce concept de vidéo avec ça, mais c'est réaliste. Oh, attendez, il y en a un autre qui m'a accepté sur Instagram. Bon, je repousse l'échéance, mais il faudra bien que ça arrive. Je ne fuis pas. Oh, mais c'est... Ok. Bon, vous savez quoi, on va le garder pour la fin. Parce que... Je veux finir sur une touche positive. Et pour elle, du coup, je vais aborder le truc de façon calme et posée et essayer juste de lui parler et de lui dire que tout peut s'arranger, que tout peut... Enfin, voilà. Ça fait plusieurs fois que j'essaie d'enregistrer la vidéo et que je coupe en plein milieu parce que je suis mal à l'aise. Putain! Salut. Alors, je connais pas ton prénom, du coup, je te jure que si j'avais connu ton prénom, j'aurais direct utilisé le prénom, parce que cette vidéo est destinée vraiment à toi. Vraiment, tu peux y accéder uniquement par le lien de la vidéo, en fait.
C'est-à-dire que tu, y a que toi là qui peut l'avoir avec le lien que je viens de t'envoyer. Et en fait, juste pour te dire que forcément j'ai vu ton compte Instagram et ça me fait de la peine. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas voir. Alors déjà, je ne te reproche rien, hein, que ce soit bien clair que c'est. Je sais que des fois dans la vie on se sent mal et que et qu'on peut avoir ce genre d'idée, que c'est. Je ne te reproche vraiment rien. Juste ce que j'aimerais te dire, c'est de pas lâcher et d'essayer un maximum d'être forte face à tout ce qui peut t'arriver dans la vie. Vraiment, essaie de crois en toi, crois en l'avenir, parce que vraiment, forcément, il y a toujours des moments dans la vie où on peut se sentir pas forcément bien. Je le comprends. Moi aussi, j'ai eu des moments où j'étais pas bien. Et ce que je voulais te dire, c'est juste qu'il faut pas lâcher, il faut croire en l'avenir, parce qu'il y a forcément des moments où ça ira mieux, des moments où tu te diras putain c'est con que j'ai fait ça, mais au final c'est faut laisser au passé ce qui est dans le passé, et juste vraiment concentre-toi sur l'avenir et sur ce qui peut t'arriver ensuite et qui peut être bien, parce que tu peux être heureuse. Tu peux vraiment être heureux, tout le monde peut être heureux, c'est juste une question de. Parfois de temps et parfois de perspective et de recul à prendre sur les choses. Donc vraiment. Je suis pas. J'ai aucune formation pour te dire ce que je suis en train de te dire. Peut-être que tu vois quelqu'un de spécialisé qui t'aide. Mais. Juste pour te dire que voilà, tu es une personne comme les autres, tu es importante. Et il y a. Probablement des gens qui t'aiment, ça j'en sais rien pour le coup, mais j'y crois, je crois qu'il y a des gens qui t'aiment, et en tout cas, si vraiment tu as personne, si tu te sens seul, eh ben, il y a des gens comme moi, au hasard, qui sur l'internet mondial peuvent tomber sur ton compte, et en tout cas, si tu as besoin de parler, j'ai vu que tu avais marqué pas besoin de parler, mais enfin, sache que il y a toujours des gens qui peuvent être là pour toi, et que même les gens qui te connaissent pas peuvent en avoir quelque chose à faire, et vraiment ça me tient à cœur que tu vois cette vidéo et que peut-être ça te fasse te sentir un peu mieux. Voilà, je fais cette vidéo pour essayer de faire apparaître un sourire sur ton visage, et si j'ai réussi, ben, je suis très heureux. Donc voilà, bonne journée, et je te souhaite vraiment que du bonheur pour la suite. Voilà, au revoir. J'ai des frissons. Je vais mettre un effet avec des couleurs un peu douces et apaisantes. En fait, j'hésite à vous demander d'aller sur le compte Instagram. Non, en fait, je peux pas vous demander ça parce que j'ai pas envie que vous voyez ce qu'il y a sur le compte Instagram. Mais peut-être s'il y a des gens parmi vous qui craignent pas trop, envoyez un message gentil à cette personne. Je sais pas, peut-être. J'ai pas beaucoup d'influence en fait. Je peux pas demander à beaucoup de gens d'aller sur ce compte Instagram et d'envoyer un message gentil. Mais si vous avez le cœur à ça, bah, peut-être. Je sais pas du tout comment appeler la vidéo, du coup, vu que j'ai pas son nom ni rien. Parce que clairement, je vais pas mettre ce nom-là en titre. J'ai appelé je veux que tu sois heureuse. Alors, bonjour, c'est le mois du montage. Et juste petit aparté là maintenant, parce que je remarque qu'en fait, on dirait dans la vidéo que je jongle beaucoup entre deux humeurs. Et je voulais juste dire qu'en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est. C'est pas que j'en ai rien à foutre ou un truc comme ça, c'est juste que déjà quand je suis tombé là-dessus, je savais pas trop comment réagir, et je savais pas trop comment je devais réagir par rapport au fait que j'étais en train de tourner une vidéo et que à la base j'étais là pour ça. Je sais pas du tout si j'ai bien réagi, si certains parmi vous vont pas mal prendre le fait que j'ai intégré ça à la vidéo. Je me voyais juste pas ne rien faire du tout. Et si je jongle beaucoup entre deux humeurs un peu positives et un peu. Enfin. Voilà, c'est juste que je voulais quand même que la vidéo reste positive et j'ai le mot en anglais, hopeful, plein d'espoir, en fait, juste pas, je voulais pas que ce qui ressort de cette vidéo ce soit quelque chose de négatif, je voulais que même pour quelque chose de négatif, essayer de le transformer en quelque chose de positif et à côté de ça pouvoir mettre des choses vraiment positives, voilà, c'est juste, donc désolé si certains parmi vous peuvent se sentir... blessé par ma façon de le mettre dans la vidéo, mais je l'assume parfaitement parce que je me voyais pas ne faire comme si j'avais rien vu. Voilà. Merci. Bon, normalement, la vidéo est en ligne, elle est en train d'être traitée par YouTube, du coup, je dois pouvoir enregistrer l'autre maintenant. Kira Sandwich. Hey, Kira Sandwich, salut!
Je suis sur ton compte Instagram actuellement et en fait j'avais envie de te souhaiter une bonne journée. Vraiment. Et je suis vraiment sur ton compte Instagram. Oh putain, mon téléphone! Bordel de merde. Alors, regarde, c'est toi. C'est toi juste ici. Pourquoi je fais cette vidéo qui t'est destinée? Pourquoi? Parce que je suis tombé sur ton compte Instagram et j'avais envie de te souhaiter une bonne journée. J'ai vu que tu étais fan de Jojo. Et c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. J'ai pas encore regardé la partie 3 de Jojo. Mais j'ai hâte de voir ça. Surtout que je vois ce que tu fais sur Instagram, c'est magnifique. C'est franchement beau. Et du coup, moi aussi, j'attends la partie 6 de Jojo qu'elle soit animée. Mais du coup, j'attends un peu moins que toi parce que j'ai pas vu jusqu'à la partie 5. Du coup, juste voilà, passe une bonne journée. J'espère que t'es heureux. J'espère que je t'ai donné le sourire. Vraiment, cette vidéo est destinée à toi. Alors, voilà. Voilà, juste passe bonne journée. Il y a que toi qui peux voir la vidéo par avec le lien. Du coup, voilà. Mais ouais. Bonne journée, vraiment. Je sentais que j'avais besoin d'un peu me détendre et me défouler. T'as lu, je vais lui mettre un effet de psychédélique. Bon, les vidéos sont en train d'être traitées. Est-ce que j'ai eu des réponses par hasard par rapport à... Alors non, et ils n'ont même pas vu. Ouais, du coup, ça confirme que je tournerai probablement la suite de cette vidéo plus tard. Et elle va être extrêmement longue. Ok, on a la vidéo pour la fille qui est prête. Alors, coucou, j'ai fait cette petite vidéo pour toi. J'espère que tu vas bien et je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Voilà. Ok, bon. Je sais pas si je fais quelque chose qu'il faudrait faire, mais je me sentirais mal de pas le faire. Voilà. Et on a du coup également la quatrième vidéo qui est prête. Voilà. Hey, j'espère que tu passes une bonne journée. Si c'est pas le cas, je viens de faire cette petite vidéo pour toi. Non, je viens de faire cette petite vidéo pour te donner le sourire. Le seul truc qui me fait chier dans ce concept, c'est que si jamais ça marche et que les gens voient les vidéos et que ça leur donne vraiment le sourire, c'est que bah, je pourrais pas voir leur sourire. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Alors quand tu aides des gens que tu connais pas ou que tu leur fais plaisir d'une certaine façon ou d'une autre, bah en fait, juste le fait de voir la personne qui te sourit et qui te dit merci, mais en fait, je trouve ça extrêmement pur et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette série. Mais là, pour le coup, bah, je pourrais pas voir leur sourire. Bon, en tout cas, ça c'est envoyé. Tac. Je vais tous leur envoyer un cœur en plus, histoire qu'ils aient une notification. En plus, les cœurs, ça attire l'œil. Et puis, voilà, écoutez, là, pour le moment, j'ai pas de réponse, pas de vue, pas de quoi que ce soit. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, j'ai été content de faire ça. Je sais pas si j'aurai des réponses, je sais pas si les gens vont voir, mais au pire, bah, peu importe. Mais, quoi qu'il en soit, je pense que si jamais j'ai des réponses d'ici à ce que j'ai fini le montage de cette partie-là de la vidéo, bah, du coup, il y aura une autre partie de la vidéo qui sera, du coup, pour réagir aux réactions qu'ils ont eues, et voilà. Mais si jamais la vidéo s'arrête là, c'est que bah, au final personne m'a répondu. Donc voilà, merci d'avoir regardé, laissez un pouce bleu si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aurait à améliorer, enfin voilà, je suis à votre écoute, et voilà, ciao, bonne journée, à vous surtout qui avez regardé la vidéo, et voilà, j'espère que ça vous aura donné le sourire et que... Enfin voilà, je vous aime. Au revoir. Ok les gens, j'ai eu des réponses. J'ai eu, je crois, deux réponses sur du coup les trois. Il y a qui ira sandwich, oui. Du coup, on va écouter ce message. Regarde la partie 3 tout de suite. Je doutais que ça aurait un rapport avec Jojo. Ok, bon. D'accord. D'accord. Bientôt vite, voilà. Ok, et du coup, ouais, j'ai pas eu de réponse de ces deux-là. Par contre, j'ai eu une réponse de Noémie. Hey, merci beaucoup, mais t'es qui, MDR? et pourquoi moi? Alors, je ne suis strictement personne. On se connaît pas et tu as été choisi au hasard. Dans l'internet mondial. Voilà, elle me dit joyeux anniversaire, du coup. Oh merci! Cela est inattendu! Bon, du coup pour ces deux-là, en fait, j'ai aucune idée de si je leur ai donné le sourire et si j'ai rendu leur journée meilleure, mais au moins, je sais qu'ils ont vu. Et du coup, on verra plus tard pour les autres. Bon, bah écoutez, oula... Pardon, excusez-moi.
Du coup, on est le lendemain, là, au moment où je filme ça, et bah, du coup, j'ai pas eu d'autres réponses. En tout cas, pas des deux qui m'avaient pas répondu hier. Par contre, j'ai eu une réponse en plus de Noémie. Enfin, du coup, en gros, juste, elle m'a dit, je crois que ta vidéo, je vais la regarder tous les jours, et elle me redonne le sourire à fond. Et après, j'ai demandé si c'était vrai, elle a dit, oui, oui, c'est vrai, elle me rend heureuse. Donc, j'estime que c'est une réussite, du coup. Merde, j'ai oublié de dire autre chose, c'est que si jamais ils me répondent, bah, du coup, je vous le dirai sur Twitter, hein. C'est une technique pour gagner des abonnés sur l'internet mondial. Ah merde, le micro même pas. Mais. Mais quel boulet ! Ah ! Ah ! Je pense qu'on peut considérer que c'est une réussite à 50% du coup. En tout cas, ça a marché à moitié. La moitié des gens ont vu, la moitié des gens ont pas vu. Et voilà, bon, écoutez. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer. J'ai eu beaucoup d'idées hier soir en promenant l'ASCO. D'ailleurs, j'avais oublié de prendre mon téléphone, du coup j'ai couru à ma maison parce que j'avais des idées qui partaient partout dans la tête et du coup j'ai été obligé de courir chez moi, chercher mon téléphone pour pouvoir les noter. Mais ouais, j'ai eu beaucoup d'autres idées pour améliorer le concept et pour faire d'autres choses en lien avec ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et puis moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Hein ? Du coup, ciao ! Et laissez un pouce bleu. Et partage la vidéo, et voilà, je vous aime. Ciao. Moi, c'est Jacques. Je suis une fille de Paris. Mon nom est Jacques. Ah, mon nom est Jacques. Ah, mon nom est Jacques.